dans ma vie de tous les jours, je peux être ce qu'on appelle éco-citoyen. D'accord ? Quand je vous dis éco-citoyen, ça vous fait penser à quoi ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être éco-citoyen ? Vas-y, Laura. Éco comme écologique, donc éviter de d'acheter des produits qui vont nous servir qu'une seule fois et les utiliser plusieurs fois. Ce matin, ce que nous avons réalisé, c'est un atelier qui s'appelle Consommacteur. Et l'objectif, c'était de montrer que par des petits gestes, on peut produire moins de déchets, on peut mieux manger et on peut consommer local. Donc on avait un premier atelier qui consistait à demander aux enfants de choisir certains produits pour réaliser un goûter avec leurs copains. Et donc, quels sont les produits qu'ils choisissent et en fonction de quels critères ? Du coco. Oui. Des snakes. C'est des bonbons, ça ? C'est ça ? Ok. Des Oreos. Du Tulum. Oui. Et des Tim Tam. Ok. Donc, il y a un petit côté quand même. Je vais prendre des choses qui ne sont pas mauvaises pour la santé, comme les pommes et comme l'eau. Et puis, il y a des petites choses où, mais je me fais quand même un peu plaisir. Ensuite, on avait un atelier sur du pétrole dans mon assiette. Pour deux menus, on calculait la distance parcourue par certains aliments pour arriver jusque dans nos assiettes. En fonction de l'endroit d'où proviennent les aliments que j'achète, ça veut dire que mon aliment, il a dû parcourir je ne sais pas combien de kilomètres avant d'arriver jusque dans mon assiette. Si je fais un menu maison, donc un menu plutôt avec des produits locaux, effectivement, j'ai que 47 000 kilomètres. Si on achète moins de produits fast-food, de produits importés, Il y en aura moins qui vont être importés, donc on va plutôt protéger la nature. La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Dans les dessins animés, il y a toujours un super-héros pour nous sauver, mais pour sauver la planète. Mais cette fois-ci, les super-héros, c'est un peu nous tous. Il vaut mieux prendre des transports communs, comme par exemple si on va à Poé et que c'est bien de ne pas, par exemple, si une famille on est 5, donc de ne pas prendre ma mère une voiture et mon père l'autre et de nous mettre dans une des voitures, ça gaspille de l'essence pour rien. Moi, j'ai bien aimé faire le gâteau parce qu'on a pris pratiquement que des choses locales. On a fait des choses avec de la farine de manioc. On a pris deux farines différentes et on a réussi à faire un gâteau. Donc des gâteaux pour que on leur montre qu'on peut produire des choses assez facilement, qui sont bonnes et du coup qui produisent moins de déchets.